Yes, salut tout le monde, c'est Osiris, je suis avec Pastis51 aujourd'hui. Salut. J'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment c'est les vacances, hein, ce qui fait que du coup on est un peu moins présent sur la chaîne et sur les réseaux. Donc voilà, ouais, comme tout le monde, on profite aussi un peu de nos vacances. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a 2-3 petites choses à vous montrer. On va faire une petite session quad. Donc j'ai pu me procurer un quad là il y a peu de temps. Donc on va pouvoir s'amuser un peu avec. Et puis du coup Pastis, bah entre temps on va aussi acheter un petit drone. Un beau drone même. Ouais. On va faire ça, on va faire notre premier montage avec des vidéos drone. Voilà. Avec nos premières séquences de drone. Et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas on espère qu'on va bien kiffer notre journée là. On va s'amuser. Il fait beau en plus, ça c'est cool. On a un petit ruisseau à côté. Ouais. Juste là. Ça doit être ça le bruit de fond que vous entendez. Voilà, on a le soleil avec nous. Ouais, on l'a en pleine gueule actuellement. On a le quad qui est là. Juste ici. On a la bête. Voilà. Pour ceux qui posent la question, c'est un 200 Bashan. Marque l'équivalent à la marque Shinrei. C'est un quad chinois. L'avantage c'est qu'on peut trouver des pièces un peu partout. Ouais. Il marche plutôt fort. Et puis bah le petit drone qui est là. Et après le petit drone qui est là. Ici, donc un drone Bebop 2 de la marque Parrot. C'est un des derniers qu'ils ont sorti en entrée de gamme, j'ai envie de dire, pour faire des vidéos de bonne qualité. Enfin voilà, donc le quad, le drone, le soleil, on est pareil pour faire une bonne petite session. Voilà. Donc, première séquence, on va vous montrer du coup, bah, ça va être le fonctionnement du drone. On va vous montrer un peu comment ça marche. Et puis bah, après, on va enfourcher le quad et puis on va faire. On va essayer de tourner les meilleures séquences possibles en tout cas. Voilà, voilà. Tchuss. Donc là, c'est le drone au décollage. Là, vous avez la commande plutôt simple hein, si vous êtes gamer. Plutôt. Ouais, c'est facile à prendre en main. Voilà, plutôt simple à prendre en main avec le smartphone au-dessus qui vous donne du coup un rendu. Je sais pas si on voit bien. Un rendu sur l'œil du drone hein, tout simplement. C'est ça qui tourne vachement bien quand même. Hein. Ouais. Et il s'équilibre tout seul. Et après, il y a des figures pré-enregistrées. Ouais. Je vais vous montrer. Et là, tu filmes actuellement ? Ouais, je filme pas encore. Ok. Vous voyez, on peut faire des petits clips comme ça. Ah ouais. Vas-y, filme en même temps, comme ça on montrera ça. Ah, si, c'est en train de filmer. Vas-y, viens me dire bonjour. Faut faire attention aux genoux quand même, c'est assez dangereux. Alors là les amis, Pastis va nous tenter un petit drift, on va voir ce que ça donne. Bon, le temps qu'il arrive, j'en profite du coup pour dire, ouais, comme on expliquait au début, on est en vacances, donc on profite aussi, ce qui fait qu'on fait un peu moins de vidéos que d'habitude. Après, c'est vrai que d'un côté on devrait pas non plus, parce qu'on n'a pas une énorme communauté et la régularité c'est ce qui fait que la chaîne évolue, mais bon, comme on expliquait aussi au début de la création de la chaîne, on n'est pas là pour vivre de ça, on est là vraiment pour délirer, donc avant tout voilà, on est là, on kiffe, on est en vacances,
on se repose, on prépare des nouveaux concepts aussi. Puis bah là c'est la petite vidéo kiff du moment avec le quad, le drone. C'est vrai qu'on a des beaux jouets, du coup on a envie d'en profiter. Allez, il arrive, attention, on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, c'était tout pour nous, on vous a montré de quoi on était capable avec un quad et un drone, en espérant que la vidéo vous aura plu. Un petit mot pour la fin, Ziris. Bah écoute, moi j'ai passé une putain de journée. Ouais, bonne journée. Je crois croire, c'est quand même assez physique, c'est pesant quand même, avec la chaleur et tout, c'est... Un peu mal aux mains. Ouais, ça travaille un peu. Après là, c'était surtout une session drift avec le quad. Ouais. Après, par la suite, je pense qu'on en fera une autre en mode un peu plus cross, un peu plus cross, ouais, voilà. Buts, des fosses. Voilà, c'est juste que j'ai deux trois petites pièces à changer dessus avant, question de sécurité. Puis bah après, on sera paré pour faire des buts de 2, 3, 4 mètres, hein, s'il faut. Au taquet. Voilà. Enfin voilà, bonne journée dans un cadre superbe, super beau soleil et super bonne ambiance. Exactement. Et n'oubliez pas, là où on va, il n'y a pas besoin de route. Ciao, et les gars. Peace.